je suis un passant de Issy-les-Moulineaux. Je suis un citoyen. Il y a un côté service public, quoi. Cette exposition, en fait, est née d'une commande passée à Raymond Depardon, d'un reportage photographique sur la ville d'Issy-les-Moulineaux, en privilégiant l'axe vraiment innovation architecturale. Mon appareil photo est comme un chevalet. J'ai le cadre, j'ai la lumière. Moi, j'aime beaucoup faire des photos à la chambre. Aujourd'hui, faire des photos en argentique avec un gros appareil, ça coûte cher, donc on ne peut pas mitrailler. Et puis, à la fois, je dois aller vite parce que la lumière bouge vite et que je ne dois pas non plus faire des photos trop flatteuses. Moi, je ne suis pas un photographe d'architecture qui va travailler pour vendre l'immeuble. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Walker Evans, qui était un grand photographe américain. Il parlait beaucoup de l'élégance de l'utile. Et je trouve que dans l'architecture, il y a ça. Forcément, c'est utile. Que ce soit un musée, une école, peu importe, un siège social d'une société, il y a un côté utile. Et il faut une élégance. Je découvre le travail de Raymond Depardon sur Issy-les-Moulineaux. Je trouve que c'est un très beau reportage sur l'architecture d'Issy-les-Moulineaux. C'est formidable d'avoir osé faire ce temps d'arrêt. Nous sommes en 2018. Nos générations qui vont arriver vont pouvoir avoir cette image d'Issy-les-Moulineaux de 2018. On a vu quelque chose de merveilleux, plein de couleurs. Traité d'une façon exceptionnelle, avec un monsieur très simple, mais fabuleux, monsieur Depardon. C'est un auteur, c'est un artiste, et c'est voir comment il regarde. C'est ça qui m'a intéressé. Non seulement il y a de la sensibilité, il y a de l'imagination, il y a parfois un regard un peu complice. Voir sa ville photographiée par un type comme ça, j'avoue que ça le fait. Hein. L'architecte est quelqu'un d'assez... C'est un artiste du siècle, quoi. Ici, à Issy-les-Moulineaux, c'est intéressant, on sent une plus grande liberté qu'à Paris. Et permettre à des grands architectes de faire une œuvre, au fond, de passer à l'acte. Moi, je n'ai fait que me mettre à leur service, de ne pas trop les trahir. Venez voir l'exposition Depardon au Musée français de la carte à jouer pour redécouvrir votre ville sous un autre jour, découvrir aussi certains bâtiments des grands architectes qui la façonnent aujourd'hui, et puis redécouvrir le parcours des collections permanentes, puisqu'il y a des petites incursions de l'exposition Depardon dans les galeries de carte à jouer.